sont souvent des intérêts soit politiques, soit économiques derrière, et que du point de vue politique, c'est la Russie notamment qui a compris très très tôt l'intérêt de se réapproprier ces leaks et de les favoriser pour déstabiliser les États-Unis. Complètement. Pourquoi la Russie ? Parce que je pense aussi que dans le renseignement russe, c'est l'un des pays où la manipulation et l'influence est au top niveau de ce qu'on apprend dans les écoles de renseignement. C'est-à-dire que c'est la crème de la crème des étudiants en renseignement qui font ces filières de manipulation, d'influence. Donc ils n'ont jamais lâché cette idée-là, qui est très vieille chez les Russes. C'est l'Okhrana, même avant la guerre froide, et après, donc bien sûr, le KGB. Et donc du coup, ils ont eu très tôt cette idée-là, en voyant d'abord les télégrammes américains en 2010 sur Wikileaks, puis après Edward Snowden, ils ont vu qu'en fait, très facilement, par une fuite massive de données, on pouvait mettre par terre toute la diplomatie américaine, en fait. Et eux, qui travaillaient des sources humaines sur des dizaines d'années, voilà, qui étaient dans des opérations très longues, très cachées, se sont dit, mais en fait, ça peut être très simple. Et ce qui tombait bien, c'est qu'ils avaient pour eux, des équipes de hackers déjà prêtes, qui normalement ne faisaient des hacks que pour récupérer l'information et la garder secrète. Et là, ils ont juste changé leur modus operandi. En fait, de hacker, maintenant, ils diffusent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est vrai que c'est aussi le pays, la Russie, qui a donné les plus grands champions d'échecs. Tout à fait. Où on a 10, 15, 25, 30 coups d'avance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait que déjà toutes nos réactions, tous nos comportements sont déjà étudiés, sont déjà pensés ? C'est-à-dire qu'on sait que si on réagit comme ça, l'autre avait déjà anticipé. Et il y a un film très connu qui s'appelle Le Corbeau de Clouzot, où il y a un type qui sort comme ça des mots non signés sur un petit village et qui déstabilise entièrement un village en dénonçant tout. Les délations sont vraies, mais le type est quand même à l'origine de beaucoup de suicides. C'est exactement le même principe. Ça massifie ce principe-là.